La caméra. On regarde la caméra, on fait un grand sourire à la caméra. Bonjour. Salut. Bonjour à tous, bienvenue Guillaume. Merci Franck. Je suis Franck Payen, je vais être avec Guillaume et avec vous pendant 1h30. Et pendant cette 1h30, on va parler de plein de choses. De plein de choses, dont principalement de ton travail en vidéo. Ouais. Hop, on va penser à couper le son des machines qui ne sont pas censées en diffuser. Voilà. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Guillaume Desjardins, moi je l'ai rencontré sur internet d'abord grâce aux séries tournées sur Les Parasites, avec Les Parasites comme on dit, avec Les Parasites. Avec Les Parasites, ouais. Qui était d'abord sur la chaîne YouTube Les Parasites. Voilà, c'est bien, tu le fais bien. Donc je vais d'ailleurs vous remettre le lien au cas où vous les connaîtriez pas, mais ça m'étonnerait quand même que personne ne connaisse Les Parasites ici. Tout le monde ne connaît pas forcément. Attends, vous êtes 400. Il y a 400 000 personnes qui sont abonnées à vous, forcément, tout le monde vous connaît. tout le monde du monde entier. Tout le monde du monde entier, ouais, ou au moins les francophones, parce que du coup, il y a. Je sais pas s'il y a des versions sous-titrées des films des Parasites. Ouais. Ouais, mais en fait, on a ouvert les sous-titres collaboration et les gens le font vachement, c'est drôle. Ouais, c'est sympa. Et ouais, ça. Non, on s'est forcé quand même de sous-titrer au moins en anglais la plupart des films, mais comme on a fait beaucoup de 48 heures, tu sais, des concours. Ouais. Et qu'on en a gagné, plusieurs, et du coup, ils te demandent de sous-titrer en anglais tes films. Donc, du coup, ça a été l'occasion de mettre tes sous-titres aussi sur YouTube. Et bah ouais, non, tu m'étonnes. En plus, ça, donne, ouais, ça fait à la fois une bonne occasion et une bonne vieille contrainte, tu sais, genre, tiens, il faut le faire. Ouais, bah du coup, tu le fais. C'est bien, ouais. Bon, après, on sait, bien sûr, quand tu regardes les stats, la majorité viennent de France, hein, mais ouais. On a quand même un peu des vues dans des pays étrangers, c'est rigolo. Il y a même des gens qui nous sous-titrent en. Je sais plus s'il y avait chinois ou japonais, en tout cas des pays asiatiques. On doit pouvoir le voir. Hop. Sur Jeux de Société. Ouais, sur Jeux de Société, il a été sous-titré ou pas? Ouais. Sous-titres, les paramètres. Là, tu vois, il y a 7 pistes de sous-titres. Donc on a de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, du français, italien, portugais. C'est pas du tout des pays asiatiques. Non, ça. Mais pas sur cela. Bah alors. Non, mais alors sinon, il y a des re-uploads parce que maintenant, avec l'outil YouTube, il arrive à te dire direct si t'as des re-uploads. D'accord. Et j'ai laissé ceux qui étaient sous-titrés dans des langues que je ne connais pas. Qui étaient intéressants. Ouais, c'est cool ça. Avec des hiéroglyphes, tu vois. Sérieux. Sérieux, j'ai jamais vu ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore Guillaume, ouais, moi je l'ai rencontré sur Les Parasites, qui est une chaîne YouTube sur laquelle il y a pas mal de petites vidéos fort sympathiques. Donc, vous avez rangé d'abord vos films. Ferdinand, je crois que j'ai jamais regardé Ferdinand. Bah, c'est une petite série un peu inspirée de, on va dire, du style visuel de. À la fois de Jean-Pierre Jeunet et aussi de. Bien sûr, je vais perdre le nom. De du réel de Grand Budapest Hotel D'accord, ouais. Tout à fait. Plus non plus. Ouais, ouais, si. Mais Wes Anderson, voilà. Voilà. Et donc c'est un peu c'est un délire, mais c'est rigolo, ouais. Et tu vois, parce que moi je m'étais arrêté vraiment sur les films. C'est la seule vraie série qu'on ait, enfin vraie. On a 3 épisodes, hein, mais. Ouais, c'est déjà pas mal. Une série de 3 épisodes, ça fait quasiment une demi-série sur la BBC. Après, c'est des épisodes courts, mais ouais. Mais sinon, c'est plus des courts-métrages qu'on fait, on touche vraiment à plein de styles différents. Enfin, on se limite pas à un truc, on part dans tous les sens. Donc, on a des comédies, on a des drames, on a des trucs complètement spéciaux, on a des faux docus même. Ouais. Des faux docus ou des vrais docus? La boucherie éthique? La boucherie éthique. C'est pas un vrai docu? Si, c'est un vrai docu, bien sûr. Il faut aller le voir et après, on en reparlera. Tout à fait. Donc ça, de toute façon, vous irez tous regarder, vous irez tous chercher Les Parasites et leur chaîne. Vous pourrez voir donc, dans les vidéos, il y a vraiment de tout. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure, les projets évoluent. Parce que ça a démarré sur des cours, des 48 heures, ouais, des concours. Du concours vidéo, on doit faire une vidéo, donc un court-métrage en 48 heures avec des contraintes qu'on a au début des 48 heures. On a 48 heures pour écrire, tourner, monter. Et ça, c'est des trucs que vous faisiez, c'est quoi? C'est à l'époque de l'école ou c'était un... Non, c'est après l'école, parce que je commençais à avoir du matos, parce que je bossais pour des clients. Et du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de court-métrage. Et je me suis dit, vas-y, moi, c'est une façon de se forcer à refaire des projets perso, tu vois. Et on me suis rendu compte que c'était aussi une superbe école d'écrire, tourner et monter et voir directement le résultat en moins de 48 heures de ce que tu as écrit.
Donc en fait, c'est une super école pour apprendre à écrire, puisque tu vois direct si ça marche ou pas ce que t'as écrit. T'as pas, il n'y a pas la phase de je me fais plaisir sur le scénario et je le peaufine. Bah t'as pas le temps, bien sûr, il y a quand même un moment où tu te fais plaisir, forcément, quand t'as les idées, etc. Mais très vite, alors que d'habitude, tu vas écrire ton scénar et puis, je sais pas, un mois plus tard, tu vas le tourner et puis un mois plus tard, tu auras le résultat. Bah là, donc tu vas pas forcément faire les liens directs. Enfin, je sais pas, c'est moins clair les... Enfin bref, en tout cas, sur le 48 heures, t'apprends très bien comme ça, quoi. Tu te dis, ok, c'est pour ça que ça marche pas, on a mal écrit ça la prochaine fois. C'est une leçon que t'intègres direct, quoi. Et alors, ces leçons-là, vous les avez notées, genre faire un post-mortem en disant, voilà, le projet est fini, tel truc, on sait que ça va pas, tel truc, on peut plus le revoir ou... Non, mais j'ai l'impression que c'était juste tellement évident que c'est intégré... dans notre esprit, et puis la prochaine fois on refaisait pas la même connerie. C'est plus que, c'est plus aussi quand tu vois quelque chose marche, du coup la fois d'après t'as envie de le, tu vois, de le refaire, tu dis ah ça marchait bien, vas-y on reprend l'idée. Voilà. Et du coup sur Les Parasites c'est toujours un peu la même clique depuis le début. Ouais, on est surtout trois à co-écrire avec Jérémy Bernard et Bastien Ghetto. Et après l'équipe s'agrandit suivant les projets, mais on a aussi Roxane qui est notre tête d'affiche avec Bast et Gabriel Mireté et Samuel Durana et puis d'autres qui se rajoutent, mais il y en a plein, Charlie. Voilà. Sur un projet par exemple comme le jeu de société où il y a quand même pas mal de protagonistes, alors ouais. on reconnaît justement Roxane et Bastien, mais les autres acteurs, c'est des acteurs que vous avez castés, ça c'est Ouais, bah c'est Bast qui connaissait Antoine Bassler et qui joue entre autres aussi dans plusieurs longs métrages dont 99 francs qui est super et qui joue le rôle du père de famille là. Et donc on l'a pas casté dans le sens où on lui a pas fait passer un essai. Et puisque Bass le connaissait, il l'a convaincu avec le scénar, puis on savait qu'il était, enfin on n'avait pas besoin de le tester, on savait qu'il était bon. Et puis sinon il y a Ernst aussi, j'ai oublié Ernst qu'on voit aussi dans plusieurs de nos vidéos, et Adrien aussi qui est à droite là et qui est dans les personnages récurrents, ouais, des comédiens récurrents. Surtout des connaissances, des amis, etc. J'ai posé la question d'ailleurs aux gens qui nous suivent habituellement. Est-ce que vous connaissiez Les Parasites? Mettez-moi Parasite 0, 50 ou 100%. Genre vous en aviez jamais entendu parler, je suis un peu triste. Ou vous êtes à fond et comme moi vous avez regardé les différents épisodes. Les différents films. Ouais. Différents cours, ouais. C'est ça. Parce que du coup, en plus, ouais, ça fait des millions de vues qui ont regardé, des millions de gens qui ont regardé tout ce que vous faisiez. Donc ça, c'est cool. Et à côté de ça, en fait, quand on regarde sur cette fameuse page des Parasites, on voit qu'il y a pas mal de pages amis, notamment le post sur lequel tu fais, pour le coup, de la radio-vidéo. Des émissions en direct. Bien. Ouais, j'aurais pu réviser, on aurait pu valider. Ouais, en gros, on a... Je sais pas, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire du direct. Au début, on voulait juste faire des émissions audio, puis après on s'est dit, vas-y, on fait ça en vidéo, comme on est en train de faire là. Et du coup, on a cherché comment essayer de faire ça au mieux, pour avoir un rendu comme si on n'était pas en direct, c'est-à-dire avec un étalonnage, avec un mixage qui est cool, etc. Et du coup, on s'est dit, vas-y, maintenant on a toute la technique, on sait faire, lançons des émissions, ouvrons la chaîne à des amis qui auraient envie de faire des émissions aussi, et puis diffusons... à la fois sur le poste et sur la chaîne des amis. Et du coup récemment on a un projet qui est trop bien, qui a été initié par des Belges, qui faisaient le billet vert sur Facebook et aussi sur YouTube, je crois qu'ils sont présents, et donc ils voulaient faire un JTR, une émission sur l'écologie, sur le climat, etc. Et qui rassemble plein de vidéastes sur internet, et c'est cool, là on va en refaire un vendredi, et il n'y en a eu qu'une première version. Et ça, c'était un bon gros défi, et c'était rigolo. C'est lequel? C'est celui-ci ou c'est un autre? Voilà. C'est un truc ouvert, JTR. C'est ça. Donc voilà, avec Félicien au centre du billet vert, qu'on va voir apparaître normalement. Si la connexion fonctionne. Aujourd'hui, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'on est en direct, ouais. Mathieu Dumérite, professeur Feuillage, et à droite, Hélène de Vestel et Denis, Mouvement Zero Waste, voilà. D'accord. Ouais, du coup, ça permet d'avoir encore du contenu, encore des informations. Et donc ça, c'est diffusé à la fois sur plein de chaînes. On a beaucoup, beaucoup de chaînes qui diffusent
qui codiffuse, et alors sur Facebook pareil, on cross poste à fond. Enfin, et alors quand tu dis codiffuser sur les chaînes YouTube, parce que c'est un truc que j'ai jamais testé, mais en gros ça les, duplique le contenu, ça duplique le contenu, mais c'est fait depuis YouTube ou c'est fait vous balancez les fichiers de fait par Restream. D'accord. Ouais. Qui est un site qui permet justement tu stream vers Restream et ça stream partout. Ça stream partout. D'accord. Ça c'est cool. Tu vois. J'étais pas allé jusque là et j'avais pas regardé toutes les émissions. Et ouais, alors certains vont me dire qu'il n'y a pas de son sur les vidéos. Non, vous irez regarder tranquillement parce que là, il y en a pour 1h30. Donc non, je vais pas vous mettre 1h30 de live. On en a déjà eu en cours. Et puis la dernière chaîne, celle qui me plaît vraiment beaucoup aussi, c'est ta chaîne Rouge Vert Bleu. Ouais. Rouge Vert Bleu, pourquoi? Pourquoi Rouge Vert Bleu? Ouais. Pourquoi le nom Rouge Vert Bleu? Ouais, déjà. Bah, c'est les trois couleurs. C'est les trois couleurs primaires en vidéo aussi dans nos yeux, c'est les trois couleurs qu'on voit et qui nous permet de reconstituer toutes les couleurs, donc ouais, je trouvais ça pas mal. Puis ça peut se raccourcir en RVB. Ça te met plus haut dans l'annuaire de YouTube. De mettre RVB. D'avoir des trucs courts. Ouais, je sais pas, c'est plus pour parler, pour pouvoir dire rapidement, tiens, je vais refaire un RVB par exemple. Ou, voilà. C'est bien. Et donc l'idée, bah, c'est de faire des vidéos... pour partager ce que j'ai compris sur la création vidéo, pour faire des interviews aussi, comme tu vois là, et pouvoir donner des conseils que j'aurais aimé moi recevoir quand j'ai débuté dans la vidéo. Donc j'essaie de ne pas avoir de secrets, parce que j'aimerais qu'on ait pas de secrets envers les uns les autres, et qu'on puisse tous dire et se partager, et tous se tirer vers le haut. Se tirer vers le haut, ça doit être possible. Je pense qu'il doit y avoir moyen, effectivement, si tout le monde se... Il met de la bonne volonté et partage. De toute façon, c'est quelque chose, je pense, qui est très génération Internet. Ouais. Il y a quand même eu pas mal d'époques où il y avait de grosses barrières à partager le savoir. Quoi. C'était genre, ah, non, mais ça, c'est un secret de fabrication. Oui, c'est ça. Je veux pas le dire, sinon après, il va devenir meilleur que moi, il va me piquer mon boulot. C'est ça. Et, et puis, avec l'ère des forums et tout ça, on a justement eu de plus en plus d'occasions, je pense, d'échanger tout ça. Comment tu choisis les gens que tu interviews? Bon, alors au tout début, j'avais été. Parce que là, tu remontes tout au début. Là, je remonte à 4 ans. Hein. Au tout début, j'avais été dans des salons de youtubeurs. Mm-hmm. Et du coup, mais c'était complètement la rage. Je m'étais dit, ah, mais vas-y, j'ai une chaîne, je viens de lancer une chaîne rouge, vert, bleu, je vais aller faire. Je vais ramener ma caméra. Et puis, bon, du coup, je me suis un peu forcé à aller interviewer tout le monde. Je me suis dit aussi que ça pourrait permettre à la chaîne de prendre un peu en visibilité, d'avoir des têtes connues avec déjà des communautés. Mm-hmm. Et voilà, c'est tout. Après, j'étais un deuxième, donc il y a eu la Cavicon, ensuite Néocast. Mais maintenant, j'essaye. Moi, j'aspire plus quand même à la fiction, plus que le format web, même si dans les formats web, il y a de la fiction. Du coup, bah, j'ai essayé d'interviewer des personnes que soit j'avais déjà croisées sur des tournages ou des connaissances, des amis de connaissances. Et, et pour des gens qui sont plus proches de la fiction, parce que c'est ça qui m'intéresse, donc des réals. J'ai aussi des prods, des gens des sociétés d'auteurs comme la SCAM, la SSED... du CNC, et j'ai envie d'en faire d'autres. Oui, parce que j'avais vu aussi que tu parlais pas que de technique vidéo ou technique d'écriture, il y a vraiment l'ensemble. J'aimerais parler de tout. En vrai, tellement de choses qui m'intéressent que j'aimerais pouvoir parler de tout, mais j'ai pas encore pu parler de tout. Ouais. J'avais vu passer l'année dernière, je crois, t'avais publié le fait que tu faisais aussi des petites sessions courtes de formation. Ouais. Pour compléter ça, pour un... Bah ça a été une des façons... parce que forcément, de faire des vidéos comme ça, tu touches une niche de personnes qui est hyper restreinte. Donc je savais que j'allais pas gagner d'argent en faisant ces vidéos, mais ça me plaisait de le faire. Et finalement, il y a beaucoup... Enfin, j'étais incapable d'anticiper ce que ça allait pouvoir me rapporter, en fait, RVB. Et finalement, bah, rien que le fait d'avoir une communauté, des gens qui te suivent, qui te font confiance et tout, c'est... C'est une force que tu te rends pas compte avant. Et puis ça m'a permis justement de lancer des vraies formations en dans le monde réel, quoi, avec 15 personnes. Et donc bah du coup ça a été une façon quelque part de monétiser ma chaîne. Et c'était vraiment cool. J'en ai fait que deux, je sais pas si je referai, mais c'était vraiment sympa de pouvoir parler à des gens directement. De pouvoir parler à des gens et pas juste parler à ta caméra, ouais, comme on est en train de faire ici. Et puis de faire de la pratique, de pouvoir répondre à des questions directement, enfin. Ouais, non, c'était top, et je crois que les personnes, en tout cas les retours que j'en ai eu, ils étaient super contents aussi, donc ça fait plaisir. Alors du coup, en plus, quand tu montes tes sessions, tes vidéos RVB, du coup, tu fais tous les petits trucs de montage, les cuts, etc. C'est pas moi qui sous-titrais ça, par exemple.
C'est pas toi. Pourquoi c'est... Tu penses que c'est une bêtise? Je peux virer les sous-titres. Ou alors je peux les mettre dans une autre langue. On a français ou français automatique. Ah, donc quelqu'un... Alors, je sais pas. Ouais, quand même. Ou c'est moi qui ai sous-titré? Non, c'est pas moi qui ai sous-titré. Je sous-titre rien. Okay. Non, parce que sous-titrer 12 minutes c'est de vidéo, long. On est d'accord que c'est 3 heures de travail minimum. Ah, là, tu les as coupés ou... Là, je les ai virés. Ah, d'accord. Okay. Je les ai virés et tu me dis, c'est pas toi, etc. En plus, il devait y avoir des gros mots, vu qu'il y a déjà un gros mot dans le titre. Oui. Et je sais pas s'il y a des yeux chastes qui nous lisent. Bien vu. Bien. Donc, ouais, ça c'est un projet en plus. Parce que tu disais, c'était les conseils que tu aurais bien aimé recevoir pendant tes études. Avant mes études, pendant mes études, c'est à la fois ouais, un complément de ou plutôt une, je n'ai pas envie de dire ça, mais une, je vais le dire quand même, mais une vengeance par rapport à l'école de ciné où tu as envie, où je me suis retrouvé face à des profs où tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de tout te dire, tout te transmettre, parce qu'ils avaient l'impression de former leur prochain concurrent et c'est insupportable. Tu vas à l'école pour ça, pour qu'on t'apprenne des choses et tu te rends compte qu'il y a une retenue à te donner des conseils et tout. Et ouais, donc quelque part, j'ai fait ce que j'aurais aimé qu'on me donne. Voilà. Ouais, c'est cool, c'est important. Et t'as fait ce que t'aurais aimé qu'on te donne, mais tu l'as structuré comment, justement, ce type de formation? Tu veux dire en ligne, là? Ouais. Rouge, vert, bleu? Bah, soit rouge, enfin, rouge, vert, bleu, non, parce que du coup, on a les playlists, on arrive à voir si c'est de la réal, de la prod ou autre. Ouais. Mais, c'est sur les parties formation, justement, que t'en parlais, je pense. Hein, où tu mettais... Alors ça, c'est un live, c'est le... Alors j'ai pas choisi le bon clé, j'ai pas cliqué au bon endroit. Tu voulais voir. Je voulais voir, tu sais, quand t'avais fait des appels par rapport aux formations. Les formations là. Ouais. Ce serait là dedans. Bah oui, j'ai fait deux vidéos puisque j'ai fait deux formations. Bien. Voilà. Et comment t'as choisi en fait? Pour le coup, t'as pas trié, t'as vraiment pris tout ce dont t'avais besoin, à la fois la partie technique, la partie écriture, J'ai voulu essayer de tout dire en 5 jours. Je me suis dit, mais oui, en 5 jours, j'ai moyen de tout dire. Ça me paraît fou maintenant, avec le recul, de se dire qu'une école, ça peut durer 3 ans. Tu vois, bon, après, bien sûr, tu as besoin de temps pour mûrir, pour expérimenter, pour intégrer ce qu'on te dit, etc. Bien sûr qu'à mon avis, tout ce que j'ai dit, les gens qui étaient là, ils n'ont pas pu tout tester, tout emmagasiner, rendre concret pour eux et le mettre en pratique direct. Mais ouais, si t'as quelqu'un de super motivé, je pense qu'en 5 jours, il y a moyen de dire tellement de choses. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire. Par contre, j'étais bien crevé à la fin de ces 5 jours. Ah bah c'est un peu le principe. Hein. Si tu fais 5 jours... Non-stop. Non-stop, à parler à des gens, sans t'arrêter. Enfin, non-stop, on dormait quand même. Ouais, vous dormiez quand même. Des grosses journées. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, donc journée 1, la caméra, journée 2, la lumière, journée 3, les statues. Les statues, c'est super important, je pense aussi, pour les jeunes carrément, qui se lancent. Bah, c'est les trucs qu'on a surtout appris pareil après l'école. Une fois que t'es dans le concret, que t'as plus le choix, il faut que tu structures ce que tu fais, il faut que tu dises mais attends, comment je me fais payer, comment, enfin bref. Alors moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, tu te doutes bien, c'est la partie de la journée 4. Post-prod, montage, étalonnage, mixage, c'est un petit peu ce qu'on fera un petit peu tout à l'heure. On regardera certains de tes projets, effectivement, la réalisation, le scénario. tu mets le scénario à la fin de tes projets. Bah en fait je finissais ouais j'ai fait dans l'autre sens mais je finissais mais c'est un peu mon cheminement personnel, c'est à dire que moi j'ai commencé par être attiré à fond par la technique tout ça, et une fois que on va dire j'ai maîtrisé à peu près ça, et ben je me suis ouvert à l'artistique, je me suis ouvert à l'écriture de scénario, à la direction d'acteur et tout, et donc du coup je refais le chemin dans ma formation, et c'est aussi une façon de finir par, pour moi, ce qui est le plus cool finalement aujourd'hui pour moi, c'est le côté artistique, les choix de réal, les choix, enfin la direction d'acteur et évidemment le scénario qui est la base de tout, quoi. Ouais, ce que tu dis aussi, c'est que maintenant tu t'orientes beaucoup plus vers la fiction, vers du docu, vers des... enfin, plus d'écriture que de... Tu veux dire perso sur les Parasites ou mes projets ou perso? Oui, de toute façon ça a été toujours ça qui m'a attiré le plus, mais tu vois aujourd'hui je me passionne aussi pour les directs. Tout ce qui touche à la vidéo, ça me... C'est ça, à partir du moment où il y a une caméra dans le... C'est ça, et du son. Ouais. Lui, je pourrais faire de la radio, ça m'amuserait aussi. Tu pourrais faire ça, t'en fais un petit peu vu que tu fais le poste. Ouais, c'est ça. Alors, il y a le futé qui me demande s'il y aura une rediff. Alors, non seulement il y aura une rediff, mais il y en a déjà une. C'est-à-dire que pour les gens qui débarqueraient là 20 minutes après le début, vous êtes sur YouTube et vous allez peut-être découvrir qu'en bas de votre YouTube, vous avez la barre rouge là, qui vous permet de remonter beaucoup plus tôt et de le demander en plus à la voir deux fois plus vite, si vous voulez. Je sais, je suis un maniaque, mais on parle plus rapide. Mais t'arrives à comprendre quand tu mets en x2? Ouais. En fait, j'arrive à comprendre. T'as un cerveau surdéveloppé. Non, mais je fais rien d'autre, hein, par contre. Faut pas me parler en même temps, sinon là, c'est fini. T'es focus, ok.
Mais ça me permet de regarder des vidéos de 4 minutes 21 en 2 minutes 11. Non, un peu plus, parce que... tu mets pause des fois. Ben non, parce qu'il faut le lancer, il faut changer le truc de la vitesse. Et j'ai découvert le raccourci un jour, c'était majuscule, flèche, majuscule inférieure et supérieure. Ah oui, pour faire 10-10. Pour faire aller beaucoup plus vite. Un peu comme le JKL sur Premiere. C'est ça, c'est JKL de Premiere, tu l'as dans YouTube. Moi, je kiffe. Mmh. Alors, okay. Effectivement, pour les trucs un peu cut, rapides... voilà, ça devient épileptique, mais c'est pas très grave. Il y a Timothée qui dit que la niche restreinte te dit merci. Donc pour ceux qui auraient raté, Timothée. C'était tu faisais des vidéos pour une niche restreinte. Hein, y a pas de niche. Voilà, pas pour les. Ouais, j'allais faire un jeu de mots nul, je me bloque. Bravo. Je te félicite. Auto-censure. c'est bien, parce qu'eux, ils se sont pas auto-censurés en parlant des bruits de parasites pendant la session. Tant mieux. Faut pas s'auto-censurer, c'est mal ce que je fais. Bien. Dans les petits sujets que je voulais aborder avec toi, il y avait effectivement tes diverses manières de monter, que ce soit le montage, l'étalonnage, les parties post-prod. Ouais. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Est-ce que tu sais tout faire? Et comment t'as abordé ces choses-là? Bah, je touche à tout. Après, est-ce que je sais tout faire bien Non, est-ce que tu sais tout faire bien? Ouais, c'est le bien, justement, c'est à voir. Parce que sur les parasites, t'es tout seul à la fin ou pas? Non, il y a du monde quand même. On dérush souvent à plusieurs. Mm-hmm. Et après, ouais, c'est surtout moi qui monte et qui étalonne. Mais maintenant, sur les derniers cours, on fait appel à un étalonneur sur DaVinci. Mais certains projets, bah, comme Lanceur d'alerte, par exemple. Mm-hmm. Qui est quand même une grosse fiction, c'est moi qui ai étalonné directement dans Première. Enfin, avant, je passais sur After pour étalonner. Ouais. Maintenant, avec l'outil Lumetrie, je me fais plus chier. Ah bah je reste dans Première. Et voilà, ouais, je sais plus c'était quoi la question. La question, c'est est-ce que tu sais tout faire? Le mixage, pareil, tu vois, sur mes vidéos rouge-vert-bleu, je fais tout, clairement. Mmh. Je ne vais pas demander à quelqu'un de. Ça va plus vite de tout faire soi-même. Mais bien sûr, sur les fictions, par exemple Lanceur d'alerte, c'est pas moi qui mixe, là on a fait la Vincent Da Silva qui mixe, enfin voilà, un mec qui fait que ça, qui fait ça très bien. qui a fait le graphisme autour de toutes les pubs et tout ce qui est diffusé? C'est Arnaud Huck, ouais, qui fait ça sur After et qui gère, ouais. toutes les captations d'écran et autres, ça c'est des c'est un ah non, projet on que... les met direct on essaye de jouer le vrai au maximum, donc on j'aime pas filmer des écrans verts. Mm-hmm. Donc même tu vois dans les smartphones, c'est vraiment le smartphone, on rajoute pas l'écran après, et puis tant pis, ça scintille un peu vu qu'on cherche le réalisme dans nos fictions, enfin en tout cas dans celle-là. Mm-hmm. Ouais, donc tout ça c'est tout, voilà, ça c'est pas forcément la plus belle partie à regarder pour les talons, mais surtout, j'ai mis ta tête juste sous la tête de Roxane. ce qui est fort judicieux. Donc ouais, si vous avez l'occasion de regarder ça, n'hésitez pas, vous serez peut-être le 663 millième à regarder le contenu. Et Zélie vient de découvrir JKL dans Première. Et bah voilà. Et bah bravo. est-ce que je partage ton écran et on regarde JKL dans Première en vrai? Bah si ça tu veux, être ouais. Rigolo, hein. Allez, hop, on va migrer là-bas, tchac. Nous, mon petit. Voilà, c'est le montage fini d'une vidéo que je sors ce soir en plus. Coïncidence. Alors, est-ce qu'il y a du gros spoil ou est-ce que c'est, ça va aller? Mais comme ça, on voit qu'elle dure quand même 27 minutes 38. Ouais. 27 minutes 38, ça fait quasiment 14 minutes de vidéo à regarder. En fois deux. Mais je parle vite, hein. Tu vas t'accrocher. T'inquiète. Ouais, non, par où tu veux qu'on commence? Ou par où je commence? Alors, déjà, je vais. Pour les gens qui nous suivent, là, je vous ai demandé si vous connaissiez les parasites, si vous connaissiez Guillaume. Qui ici connaît et utilise Première? Vous mettez comme tout à l'heure Première, vous mettez PR, 0, 50 ou 100%. Comme ça, on verra si on commence par le début, genre c'est quoi toutes ces bandes à rayures, les vertes, les roses, les bleus. Ou si on. Ouais, on peut pas faire un tuto de base, ouais. Non, pour les tutos de base, allez voir sur rouge, vert, bleu, j'en ai fait. C'est ça. Comme ça, on peut aller plus loin. En vrai, en plus, c'est les premiers tutos que j'ai fait sur rouge, vert, bleu, c'était sur justement la post-prod. Donc le dérush, le montage, le mixage, l'étalonnage. Le montage de fiction, le montage de reportage. Mmh. Et j'essaie en fait de donner tout plein d'astuces qui, moi, me servent à aller beaucoup plus vite et pas péter un plan sur mes montages. Et puis maintenant, avec le recul, bien sûr, j'ai appris de nouvelles choses et tout. Donc
soit on peut voir ça maintenant, mais si, ça me dérange pas. Et au contraire, tu vois. Au contraire, parce que c'est facile. Non, mais je referais. J'aimerais refaire mes premières vidéos, ouais. Mm-hmm. Parce que j'aime plus me revoir de cette époque. Mais bon, ça, c'est un problème d'ego qu'il faut que je règle avec moi-même. Et puis aussi parce que j'ai plein de nouvelles choses à dire, je pense. Quand tu prépares une vidéo comme ça de rouge vert bleu tutoriel ou autre, est-ce que c'est des choses que quel pourcentage dedans c'est hyper scénarisé, est-ce que tu sais dès le départ que tu vas couper énormément dedans, est-ce que tu refais des prises, est-ce que Déjà, mais c'est hyper simple à monter en fait les rouge vert bleu par rapport à une fiction ou un reportage, puisque tout mon texte est écrit. Ouais. Et quand je le tourne, je fais vraiment phrase par phrase. Face caméra, tu vois, je lis ma phrase sur mon ordi, après je regarde ma caméra et je la sors, puis après je dis merde, j'ai mal lu, et puis je la ressors, puis je la ressors, puis je la ressors, mais je vais te montrer en gros à quoi ressemblent mes dérushs, tu vois. Après j'importe tout dans Premiere, dans un petit dossier rush. Tu organises tes dossiers en amont, ça c'est bien. Ah ouais, en amont ou alors au fur et à mesure, mais oui, je l'écris au fur et à mesure. Et du coup, j'ai une séquence de dérush par vidéo. Mm-hmm. Et donc ça, c'est toutes les vidéos qui arrivent. Wow. Et du coup, enfin, sauf celle... Tu veux qu'on les floute en direct pour garder du suspense? Ah non, t'as dit que t'avais pas de secret. Non, pas de secret. Mais attends, je comprends. 1, 2, 3, 3. Ah oui, c'est pour ça que je me disais il y en a 5, mais ça finit par 4. Mais oui, parce que j'ai une séquence pour la démo lumière. Et du coup... Donc en gros, à quoi ça ressemble mes dérushs, ça ressemble à ça, mais ça je le montre aussi dans mes vidéos rouge-vert bleu. Ici c'est un petit calque des talos, parce que j'aime pas dérusher avec une image toute grisette dégueu, donc je me mets ça, et puis après en gros ce que je fais c'est que on peut limite le refaire depuis le début, mais en gros je mets mes rushs à la suite, enfin tous les rushs de la première journée, hop là. Ça va arriver. Parce que je viens de copier la... Tu viens de copier toute ta timeline avec les 850 000 coupes dedans. Je vais la dupliquer. Ah, c'est prudent, c'est prudent. Vous apprécierez le fait qu'effectivement, on peut copier. Dérush 0. Et je vais me supprimer tout ce qu'il y a dedans. Et je peux prendre tous les rushs de J1. Tac, je les mets dedans. Mm-hmm. Et en fait, après, je lis ma vidéo. Et bon, là, c'est compliqué. On repère pas forcément, mais... Alors, oublie pas qu'il y a du son, je vais vérifier. Ouais, mais là, on a peut-être pas besoin de m'entendre, ça va être insupportable. Moi-même, je vais me saouler. Vas-y. Et après, avec Q et W qui sont les raccourcis magiques et trop bien, je viens super vite. Donc là, tu vois. Je viens faire Q pour enlever le début. T'es prêt, play, c'est le début d'une longue série de vidéos sur la lumière. Et là, je fais CTRL-K pour couper. Ou W pour couper. Enfin. CTRL K pour couper, de c'est le raccourci de base, QW pour tout le monde, effectivement, c'est couper au début, couper à la fin. Et après, tu vois, je vois vite que là, je parle pas, je suis en train de chercher, merde, j'ai dit mal les choses, là, je me regarde, tu vois, et là, je le fais, et du coup, je fais Q, et hop, ça me met C'est le début d'une longue série de vidéos. Et du coup, là, j'ai foiré. C'est le début d'une série de vidéos sur la lumière, et pour commencer, on va parler théorie. On pourrait dire le tri, parce qu'on utilise aussi le mot des rushs pour dire copier les rushs, donc... T'es prêt, c'est le début d'une série de vidéos sur la lumière. Je mets bout à bout. Tu laisses le son du truc, là, ou... Ouais, il y en a pas dedans, tout va bien. Pourquoi tu dis des gros mots, parfois? Non, mais c'est juste que ça va être insupportable, écoutez. Et après, bon, bref, imaginons que ça, c'est plein de fois la même chose. Et après, imaginons que je passe à un autre texte, je fais n'importe quoi, mais... Ouais, tu vas choisir le meilleur. T'es prêt, Je les mets bout à bout, et en fait, je les espace à chaque fois. Voilà. Puis après, imaginons, là, c'est un autre truc. On sent la phase de déprime sur cette... D'accord. Je pète un plomb, des fois. Bon, bref, et après, j'ai bout à bout. Donc ça, c'est la partie short du montage, où tu vas faire ça sur tout ça, tu vois. Tu vas faire ça, pendant toute ta journée, là, t'en as... Ouais, ça peut prendre une journée ou une demi-journée. Au départ, déjà. On a 3h45. 3h45 de prise. C'est hyper bon. Et donc, j'ai tout coupé, j'ai regardé ce qui est exploitable. On va faire un truc. Est-ce qu'on peut virer juste le son de ton truc? Tu veux que je coupe le son? Ouais. Parce que là, je garde que ce qui est exploitable. Et une fois que j'ai gardé que ce qui est exploitable, je lis tout.
je relis tout, ouais. Et puis après je me dis, bon ok, c'est celle-là qui était bien, et je la mets en haut, et ça je le montre dans mes tutos. Ouais. Ouais, ouais, et donc à chaque fois, je mets en l'air celle que j'aime bien, et du coup à la fin ça me donne ça. Ouais. Donc j'ai tout qui est en l'air, et donc finalement ça... Tout ce qui est en l'air, toi tu l'attrapes, c'est ma vidéo. Et ça c'est ta vidéo. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs il y a un raccourci aussi qui est nouveau dans Premiere, qui est trop bien. Alors attends, il faudrait que je crée une nouvelle séquence. On va refaire planter... On va refaire planter Premiere pour lui faire peur. Ouais. Ouais, il aime bien. Ah non, tu vois, il l'a pas fait. Montage. Donc, je prends tous mes rushs. Ouais. Ouais. Copier. Copier. Je sélectionne tout, je dégage tout. Et mais là, je vais faire coller. Mm-hmm. Et bien sûr, tout est espacé avec des trous. Ouais. Donc, c'est chiant. Donc, la méthode avant, bricolage. Je monte la méthode d'avant ou je monte la méthode actuelle? Bah, je sais pas, non, je pense que tout le monde est sur la dernière version de Premiere et tout le monde est à l'heure. Mais en gros, avant tu faisais juste rigolo, c'est que tu prenais tout, tu fais Alt, flèche haut, du coup tu montes tout d'un cran, donc ça fait des trous dans ton calque. Ensuite tu fais flèche bas et t'as tout, t'as ce calque là, et en fait tu viens cliquer droit dessus, tu fais supprimer et raccorder. Mmh. Et du coup il te colle tout. C'est ça. C'était la bidouille. Mais maintenant dans Premiere, t'as une solution. Alors, j'espère que ça marche même avec ça. C'est dans... c'est ça. Séquence, fermer l'espace. Ouais. Tu vois, il le fait bien. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a le calque d'étalo qui... Attends, il est verrouillé, bloque, mais... Hein. Bon, attends, si on désélectionne tout... Ok, on va essayer ça. Et ça, et ça marchera plus jamais. Mais en même temps, on vous a montré... Ah, c'est bon. Voilà. C'est ça, c'est qu'il y avait le calque. Donc, il te colle tout, et maintenant que t'as tout collé... Et ben, généralement, ce que je fais, c'est que j'attrape tout le son, donc avec Alt pour pas attraper la vidéo. Pour pas attraper la vidéo. Et je me fais un petit match D. Ouais. Et là, ça me met des petites transitions automatiques sonores entre chaque, comme ça, j'ai pas de. C'est ça, c'est pas mal. Hein. Et après, je viens tout recouper pour que ça soit vraiment au cordeau. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, j'essaie vraiment de commencer pour que le son, ma courbe du son, là, elle soit vraiment. Limite, elle commence avant l'image, quoi. Dans la petite transition son. C'est quoi, c'est les fameux montages en J et en L, Q. Comme ils les appellent. Je sais pas. Le fait d'avoir l'image qui t'as l'image et en fait t'as le son qui va démarrer. Le son qui va démarrer sur l'image d'avant ou l'image d'après. Et après je mets mes petits whoosh que je me suis fait un dossier de base. En fait, je vais rechercher ce truc de base dans les autres projets premières, comme ça j'ai tout à dispo et je me mets des whoosh. Ici, voilà, sur mes... quand je fais mes premiers et tout. Enfin, ben, voilà. D'accord, ben, ça. Et puis du coup, j'ai mon montage en entier. Et puis des fois, là, je me marque des couleurs. Parce que des fois, je me dis, putain, tout ce passage, en fait, j'en suis... Enfin, peut-être que je vais falloir que je le vire, donc je le mets en rose. Comme ça, je le repère vite. Après, dans tout ce qui est... c'est un peu les trucs que maintenant... Ok, par quoi je fais ? Non, un conseil trop cool, c'est... ok, on va se recréer une séquence. C'est qu'en fait, on peut quasi faire un montage. Il va me la mettre où ? Ici, bien sûr. Je le mets en vrac, n'importe où. Il me l'a créé où, ma séquence ? Il ne l'a pas faite ? Séquence 1. Ok. C'est qu'en gros, tu peux limite te préparer ta séquence et avoir déjà un mixage préfet. Mmh. Et ça, je connaissais pas à l'époque où j'avais fait mes tutos sur le mixage. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Oh là là, j'ai vraiment donné des conseils de merde !» et quand, en gros, tu fais apparaître... Bon, si tu l'as pas, tu vas dans « Fenêtre audio », ici. Mais tu l'as là. Enfin, moi, je le place ici. Et en gros, tu peux appliquer des effets. Normalement, ici, c'est replié comme ça. Ouais. Et tu viens déplier ici. Donc t'as chaque piste ici qui correspond à ces pistes. Tu peux choisir une piste de voix, une piste d'effet, ou quand t'as des interviews de personnes ou des... Ouais, c'est-à-dire que je me réserve les premières pistes pour les voix. Et limite en plus, hein, c'est un truc que je maîtrisais pas, mais tu peux t'ajouter une piste audio qui soit... une piste de mixage secondaire, comme ils l'appellent dans Premiere. Une piste stéréo, ok. Et que limite tu peux appeler tes voix. Ouais. Et du coup tu routes. Tu vas envoyer toutes les différentes pistes de voix sur une seule piste. Piste voix. Ouais, où ça, tu vas pouvoir appliquer les effets que tu veux. Ouais. Du coup, t'auras pas besoin de copier-coller tes effets partout. Donc tu dis la piste 1, allez, ça sera mes voix, la piste 2 aussi. Et du coup, ça va sonner là-dedans. On va peut-être se mettre un peu des rushs.
pour se rendre compte que ça module un petit peu. Et alors ouais, moi sur ma caméra, je mets toujours une... Tout est enregistré en double. Mm-hmm. Enfin, c'est-à-dire que j'ai... Enfin, toutes les caméras enregistrent en stéréo, ouais, sur, donc, sur deux pistes audio. Et donc, comme j'ai qu'un micro mono, je duplique mon signal sur mes deux pistes et j'en mets un plus fort que l'autre. Comme ça, s'il y en a un qui vraiment il sature, bah, je le tu dégage. Tu peux récupérer un... Ouais. D'ailleurs, c'est malin, ça. C'est le premier que je... Bon, on va le supprimer, mais ça, c'est plus simple. On supprime cette piste-là. Et celle-là, on va la mettre ici. Et donc, ouais, ma piste 1, c'est ma piste des voix. Mm-hmm. Et donc, je l'ai mis dans voix. Et donc, les effets que j'applique dessus, ben, je peux les mettre ici. Et donc, tout ce que je monte dans ma vidéo sur l'EQ, etc., ben, je peux le faire ici directement. Ouais, comme donc, ça te permet de gagner du temps aussi. Ah bah oui, carrément. Mm. Et du coup, je me fais mon petit EQ... qui ressemble toujours un peu à la même chose, où je viens enlever les très basses fréquences qui servent à rien, à part à te polluer ton son de grosses basses qui n'existent pas vraiment dans ta voix d'habitude. Mm-hmm. tu viens de mettre des aigus pour que ton son il soit bien clean et clair et compréhensible. Mm-hmm. Tu peux essayer de baisser un peu les fréquences nasillardes, mais ça, il faut... Même moi, je galère à le faire, à écouter vraiment c'est quoi, putain, c'est laquelle qui va vraiment cleaner ma voix, donc t'écoutes en mettant bien haut comme ça, limite en réduisant un peu la portée du truc et puis et tu cherches qu'est-ce qui sonne vraiment mal et puis ensuite tu le mets en négatif. Mm-hmm. Et puis tu peux revenir booster aussi un peu. Ouais, j'étais tout nu. Ouais, t'es tout nu, je faisais plus. En fait, c'est parce que je les tourne. Les gens la voient pas. Ah d'accord, ok. Je les tourne à la suite. Mm-hmm. Et du coup, j'ai tourné les 6 en une journée. Je sais pas comment j'avais fait. Bah, les étaient courtes quand même. Mais en même temps, si t'as gagné le temps de même pas prendre la douche et de le faire en direct. Non, mais du coup, je changeais de t-shirt à chaque fois. Et à la fin, j'ai pas beaucoup d'habits, et du coup, à la fin, j'avais plus de t-shirt. Ou en tout cas, peut-être de t-shirt que j'aimais bien. Et du coup, bah, je me suis torsionné. Tu t'es dit, tu vas en faire une AOLP, on va voir si ça passe. C'était un grand coup, une grosse claque que je me suis mis au début de Rouge Vert Bleu pour arriver à me dire, allez, assume de passer devant la caméra et tout. Donc, c'était un peu le. J'ai fait tout d'un coup, quoi. Ouais, parce que sur aucun des films des Parasites, t'apparais, si. Tu fais peut-être l'idiot derrière la caméra au loin, à passer derrière. Dans les making-of, on s'est mis à apparaître à la fin des courts-métrages pour dire aux gens abonnez-vous. Mmh. Une fois qu'on s'est dit, attends, on commence à avoir des gens qui nous suivent, peut-être qu'il faut dire aux gens de s'abonner, peut-être qu'on va se la jouer un peu plus YouTube. Mmh. Et puis non, sinon j'ai joué dans un film qui s'appelle T'as pas vu ma bite, qui était un 48 heures qu'on a fait nous en 24 heures à l'arrache pendant une soirée. Bref, voilà. C'est pas très important. Okay. Si vous loupez celui-là. Mais donc ouais, je fais mon EQ et du coup c'est appliqué sur tout, sur ça. C'est-à-dire que là, on a le son qui module dans la piste 1 mais qui s'envoie pas directement dans le mix final, qui mm-hmm. passe d'abord par le mix voix qui est ici. Enfin, dans le bus voix, quoi, on appuie sur ce qu'on mm-hmm. veut. Et voilà. Et du coup, je peux aussi mettre un compresseur ici pour la voix, avec dynamique. Ouais, voilà, un peu des réglages uniquement visuels, hein, parce que je rappelle pour notre audience que tu n'entends rien de ce que tu es en train de faire. Du coup, on vient booster, on vient booster le son et qu'il soit joli. Et du coup, là, on voit que le signal son, il est moins haut ici que là. Donc, c'est bien celui-là qui passe là, qui est amplifié par le compresseur et ensuite qui vient dans le final. Et le truc que j'ai piqué un étalonneur à Quentin Eden, un monteur de chez Bagel quand on faisait le million de Ludovic. Et en gros, je dis, mais il est trop malin. En fait, ce qu'il fait sur ses... Puisqu'il sait que c'est pas lui qui va mixer, il s'en fout, en fait. Ouais. Donc il veut juste que ça sature pas, il veut juste que ça soit pas chiant. Donc en fait, ce qu'il fait, il vient impliquer sur son mix final, et du coup, je le fais tout le temps. Un limiteur. Et c'est trop malin. Et du coup, tu viens juste activer le limiteur. Tu peux le mettre à zéro ou un peu en dessous. Enfin bref, voilà. Et du coup, bah, rien ne pourra saturer. Et du coup, c'est un peu une sécu. Du coup, je fais toujours ça. Sur mes vidéos rouge, vert, bleu ou quoi. Je mets un limiteur sur mon mix final. Et je sais que rien ne saturera. Et le son sera pas dégueulasse. Ouais, et donc, du coup, lui, il mettait des musiques. Enfin, tout était hyper fort. Tu vois, il s'en foutait. Rien, tout passait. Puisqu'il y avait le limiteur qui encaissait tout. Ouais, c'est ça. Et lui, il fera pas le mix derrière. Et voilà. Ouais. Donc de toute façon, c'est pas un effet que le mixeur va récupérer, il va pas détruire le son en faire ça, on s'en fout. Le mixeur récupérera toutes les pistes séparément, audio, et voilà. Donc ça, c'est vraiment
un peu une révolution de pouvoir mixer. Enfin, pour moi qui n'avais pas conscience de ça, qui ne vient pas du son, tu vois. Ouais. Pour un mixeur son, il ferait, mais bien sûr, Guillaume, ça existe, mais ça. Évidemment, mais évidemment. Et donc, ouais, c'est vachement pratique. Et voilà. Et après, l'autre truc aussi que j'ai pas forcément, que j'ai pas dit dans mes. Dans tes sessions. Ouais, dans mes tutos rougeurs bleus qui sont hyper. Qui servent vachement. C'est pour justement dans les dérushs ou dans les montages de reportages ou même en fiction, en fait, d'utiliser des labels pour bien voir. Alors tu sais, on a les marques, tu peux mettre des marques comme ça, tu appuies sur M, tu appuies sur M et puis tu peux éditer, je sais pas, début de la vidéo, intro. Et tu peux leur mettre une durée et du coup les placer comme ça en disant ok, ça c'est mon intro, du coup tu te repères un peu sur ça, mais c'est peut-être encore plus malin de le faire sur tes séquences de dérush. Le problème c'est que ces trucs là sont pas très malléables par rapport à, tu vois, si tu retires des rushs, etc., ils vont pas forcément bouger les marques en même temps. Les marques sont un peu figées au temps, au time code de ta séquence entière et non pas à ce qui se passe en dessous. Et du coup l'idée c'est je me mettais des labels avant avec les quelques défaits. Ouais. Mais un quelque d'effet vide, tu vois, que tu crées, et tu viens le mettre au-dessus, et donc ça fait rien sur ta vidéo, mais c'est pas le but, c'est de pouvoir identifier, tu le renommes, et là tu mets part 1, enfin je mets n'importe quoi, mais c'est pour qu'on comprenne. Ouais, bah tu vois. Du coup, visuellement, en fait, dans tes. Là, je le fais pas sur rouge vert bleu, puisque tout est à la suite, il n'y a pas besoin de remettre dans l'ordre des choses, il n'y a pas plusieurs parties à identifier, enfin. Je pourrais, mais ça me sert à rien sur ça, mais sur des montages de reportages et tout, c'est trop bien. Et en fait, il y a une manière maintenant de le faire encore mieux, depuis les nouvelles versions de Premiere, parce que là, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, ça te crée un calque. T'as pas forcément envie d'avoir un calque dans ton chutier qui sert à rien, en fait. Qui est là juste pour faire joli, quoi. C'est pas un rush. Et du coup, ce qui est cool, c'est que l'outil texte, De permet première, de faire ça. Ouais. Bah ouais, tu viens faire un texte, mais t'écris rien. Donc voilà, du coup, ça crée juste un truc qui ne crée même pas de. Voilà, ouais. Donc ça, c'est les objets essentiels graphiques. C'est mon truc préféré en ce moment, dans Première. Et tu renommes après, Ouais, j'adore. Voilà, tout. Et du coup, je me fais ça, et après, limite, si on fait ça dans une séquence de dérush, je peux venir le coller ici. Bon, là, j'ai mon calque d'étalot, je vais le virer juste pour qu'on visualise bien, mais. Imaginons, tout ça, c'est la partie sur... Donc, tu vois, je viens l'étendre. Jusqu'à la dernière phrase de ton contenu. Donc, je sais pas, théorie. Puis ensuite, je peux, avec un petit alt, et je glisse, et ça me le duplique. Et là, je le renomme, et là, je fais pratique, tu vois. Et limite, quand on est en court-métrage... Enfin, ça me permet tellement d'aller vite. Mais après, dessous, je peux m'en remettre d'autres. Pour détailler, je viens changer la couleur. Tu veux quelle couleur? Du jaune. C'est parti. Et je me dis, bon, bah ça, la théorie, et puis ça, c'est, je sais pas, c'est température de couleur. Et comme ça, tu vas pouvoir reprendre. En fait, sur rouge vert bleu, ça ne sert à rien. Mais sur de la fiction, c'est tellement pratique. Et en fait, je visualise direct. Je peux mettre. Ce que je fais généralement, c'est ici, j'écris plan large. Enfin, tu vois, donc j'ai pas besoin d'aller voir, d'aller avec mon curseur voir, je sais que c'est le plan large, donc j'ai pas besoin d'aller. Tu vois, donc je peux vite retrouver des rushs en disant ok, c'est où, pratique, c'est là, bam, je zoome. Enfin, d'accord, ouais, c'est malin ça. Tu vois pas que le reste soit pas malin, mais. C'est un gain de temps de fou, et finalement je me suis rendu compte qu'en fait plein de monteurs utilisent cette méthode pour. Et du coup, le boulot d'assistant monteur devient concret. Tu dis ok, y a les assistants monteurs ils font ça, ils font des rushs, ils te trient tout. Et après, le monteur, il a juste à faire « Ok, tout est trié, alors je prends quoi ?» Alors, qu'est-ce que je vais garder, la meilleure prise ? Ouais, limite, il pourrait te présélectionner des prises, et puis toi, limite, tu peux te faire dire « Allez, moi, je me prends la piste vidéo 3, ça sera mes vraies prises. » Puis voilà, après, tu... Et après, tu refais la même technique que tout à l'heure. Ouais, c'est super ça, écoute. Moi, ça me fait bien plaisir ce que tu nous montres, parce que derrière, je fais ça en mode encore plus amateur, tu vois, genre... juste histoire de mettre les choses en place et tout le temps je continue d'apprendre, mais de mecs qui passent leur journée à faire ça, à faire du montage, à faire que ça, et qui eux ont besoin de gagner du temps. Bah ouais, donc moi aussi Bah ouais, non, mais c'est tellement important en fait, parce que le montage, ce qui est dommage, c'est que toute cette partie, comme c'est pas la partie artistique, c'est juste la partie technique un peu, où tu veux aller vite, et parce que c'est pas ça qui t'intéresse, tu t'en fous de trier les rushs, enfin
tu veux monter, tu veux faire des choix artistiques, tu veux faire les choix de ton montage, dans quel ordre, quelle durée, etc. Et, mais si tu te prends le temps de bien faire ça, après ton montage, ça va être un régal, quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est important. Ce que j'ai vu passer aussi dans les techniques, c'est ce qu'ils appellent le, la mise en place en forme de pancake, où tu peux avoir maintenant deux timelines de première qui sont l'une sur l'autre, et du coup, tu fais glisser de l'une à l'autre. J'avais bien aimé ce système. Je voulais glisser la timeline pour tenter. Il a pas aimé. Non, il me semble que tu dois juste sortir l'onglet. Sortir l'onglet ? Ouais, tu prends l'onglet. Ouais, bah c'est ce que j'ai voulu faire, je l'ai glissé comme ça et puis il a fait. Ne fais pas ça. Ouais, mais en même temps. J'envoie le rapport ? Ouais, envoie toujours le rapport. Alors ils vont le recevoir, tu leur dis en plus on est en direct. Tu dis c'est pénible. C'est ça, on est en direct. C'est nul. On est en direct. Ça fout mal. C'est ça, ça fait pas sérieux, les gars. Ouais. Mais je sais pas s'ils lisent le français, a priori oui. Je vais vous mettre un petit lien, vous allez le voir apparaître 30 secondes plus tôt, comme d'hab. Je vous fais passer le lien du site sur lequel je vais le plus souvent, sur les applications Adobe. Je sais qu'il y en a sur toutes les applis maintenant, c'est le User Voice. Et le User Voice, en fait, c'est pour dire, voilà, j'ai une suggestion. Genre, il y a un truc qui va pas dans Premiere, dans After, dans Caractère Animator ou autre. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer les choses ? Et en général, c'est des développeurs qui font ça. Les développeurs, ils disent « Ouais, ça va pas, je vais essayer de le résoudre. Et si je peux pas le résoudre, je vais en parler à des gens qui sont concernés et qui pourront le résoudre. » Les graphistes, les monteurs et tout ça, en général, c'est plutôt « Ouais, ça va pas, zut. » Ouais. Puis ça s'arrête là. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre suggestion. Ils les lisent ? Ils les lisent. Alors non seulement ils les lisent, mais alors regarde, toi, ils vont lire ton rapport de bug. Ouais. Mais si et je vais dans Première et que je veux chercher, je sais pas moi, un truc sur les luttes, donc je vais taper lutte dedans. Ouais. Comment est-ce qu'on peut améliorer Première ? Bah, tu vois que il y a. Pourquoi ? Ouais, reviens là. Tu vois que dedans, bah il y a déjà des suggestions sur les luttes les gens ont voté dessus. Donc tu peux dire bah voilà, moi j'aimerais bien voter pour qu'on puisse relier des links, etc. Et derrière, en fait, ça leur permet d'échelonner les demandes, parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ont envie de trucs. Donc parce si que... on veut quelque chose, il faut mobiliser masse de monde et nous faire remonter en masse. C'est ça, c'est exactement ça. Tu prends tous les 400 000 parasites et tu leur dis allez cliquer sur ce lien, s'il vous plaît. Ou tu le mets un clickbait d'une manière un peu basique, et voilà, ça fait exploser les scores. Ok, voilà. On retient. Voilà. Ouais, non, mais il faut hacker le truc. Tiens, on va repasser sur ton écran. Check. Du coup, je réessaye ou pas ? Non, on va pas réessayer. Non, on va pas réessayer, c'était bien. Ouais. Et en plus, il y a TMPX qui a dit la honte. Je trouve ça pas très sympa. Je le prends personnellement. Mais c'est peut-être mon ordi qui surchauffe. C'est le manque de clim dans cette pièce. Première. Je pense qu'ils sont tous les deux. Voir. Qu'est-ce que je veux voir ? Donc, je t'avais montré des trucs, mais du coup, on a fait l'émission avant l'émission. C'est ça. Parce que maintenant, je reçois des messages, j'aurais dû mettre en mode avion. Comment ? Oui, on a fait l'émission avant l'émission, parce que moi, je t'ai dit, ouais, ce qui m'amuserait dedans, c'était de se dire, déjà, la partie... Ma timeline, mais ouais. Vas-y. Vas-y, c'est parti. on avait parlé d'étalons, on avait parlé de montage, on avait parlé de pré-montage, et du reste des contenus, donc. Ouais, non, mais en gros, pareil, si les gens regardent mes vidéos, ils me disent « mais ils se répètent, c'est chiant ». Mais en gros, j'ai un calque d'étalonnage qui est au-dessus de tout mon truc. Tu vois, je le verrouille, comme ça, je peux cutter en dessous et tout, c'est pas un problème. Alors là, en dessous, j'ai mis un calque de vidéo noire, parce qu'en fait, vu que je suis sur fond noir et que je commence à mettre des titres de plus en plus sur mes vidéos, des fois, je me décale pour pas être pile en dessous du... Tu vois, là, c'est jaune, donc je me suis décalé. C'est-à-dire qu'en vrai, je suis pas là. En vrai, je suis là, tu vois. Mais du coup, c'est pas lisible. Comme c'est noir et que j'écrase bien les noirs sur mon étalon, du coup, ça marche. Et surtout, si je retire ce calque noir, ça, je comprends pas. Bizarrement, le rendu du texte, il bug. Vu que c'est sur de la transparence. Non, on le voit pas, là. Ouais, ça a l'air d'aller. Est-ce que je raconte des bêtises ? Ah, peut-être parce que le noir... Alors, attends, on va se décaler encore plus l'image. Tu vois ou pas ? Pas très en face. Bon, ok, alors c'est peut-être moi qui bug.
Non, mais en fait, attends, ça, si, tu vois, si le rendu du texte, le ouais, rendu ouais, du texte est pas le même s'il y a de la matière derrière ou s'il y a de la transparence derrière. Mmh. Bon, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai mis quelques noirs. Ouais, ça te fait une sécu dessus. Ouais. Et en fait, je pense que l'intérêt du calque noir dessous, c'est que première, du coup, il calcule ce truc. Ah, et oui, du coup, fait cet effet. Pardon. Je redécours. Je veux juste clignoter parce que je parle de clignotement. Tu redécouvres la vidéo quand tu viens de finir de monter, pour ça. T'as dit qu'elle était en ligne ce soir, c'est ça? Ouais, à 18h, ouais. Parce que là, les gens étaient ravis d'avoir une vidéo sur le mixage audio. Maintenant, ils vont avoir une vidéo sur la lumière. La lumière, mais rien à voir avec la post-prod. Enfin, tout est lié, hein. Tout est lié, parce que tu peux évidemment tout faire en post-prod, mais ça va te prendre des plombes, ça va être beaucoup moins bien. Et comme je te montrais, parce que la vignette de mon tuto, c'est ça. Et ouais, je me suis juste fait plaisir à balancer un morceau de Rush dans After pour faire une petite bidouille. Et dans ce cas-là, quand tu balances tes rushs, c'est quoi, tu fais du copier-coller ou tu fais du Dynamic Link à l'ancienne? Non, Dynamic Link, c'est-à-dire je viens couper ça, je le mets au-dessus parce que comme ça, il est. Enfin, ouais, limite après, je fais joindre par montage et voilà. Et ça, je fais envoyer vers After. Je sais plus comment je le fais. Voilà, remplacé par une composition After Effects. Mm-hmm. Et du coup, après, je l'ai claqué là et je peux tout modifier. Bien. Ouais, tu vois, parce que je pense que dans le public, on va avoir des gens qui en font tous les jours et des gens qui en font pas souvent. Et du coup, ça leur permet justement d'aller gratter le petit détail qui va leur sauver la vie. Tu vois, ne serait-ce que le limiteur sur l'audio tout à l'heure. Ouais, ah, ça c'est une révolution pour moi. Enfin, ça a été une révolution pour moi. Mais c'est vrai que quand t'as pas de base en son, tu sais pas, tu vois, ouais, tu peux pas deviner ce genre de truc. Tu peux pas deviner que tu peux gagner du temps. Ouais, c'est ça. Et même de t'assurer que ça va pas saturer, des choses comme ça, et limite à l'ancienne, tu baisserais juste le gain, tu vois, en disant ouais, « Ah, ça sature !» Alors que non, il y a des limiteurs pour ça. Et ouais, donc voilà, ça c'est mon projet After, donc j'ai dû passer peut-être 20-30 minutes dessus pour pouvoir 2 secondes. Ouais, c'est ça. C'est le principe des VFX, hein. Les effets spéciaux, c'est toujours hyper chronophage, en test, en... Et là, il y a que des plugs... inclus dans After. De toute façon, j'ai aucun plug extérieur, mais. Ouais, c'est plus simple à gérer derrière. On va peut-être pas rentrer dans le détail de ça, mais. En tout cas, c'est quand même bien pratique de pouvoir switcher de l'un à l'autre comme ça. Et puis, ouais, comme je te montrais aussi, j'en avais j'ai un autre effet sur. Mais ça que j'ai fait dans Premiere direct. Avec des stock shots que j'avais acheté de vidéo copilot. Pour faire cramer des câbles. Voilà. Andrew Kramer, ouais. Et donc c'est juste des rushs déjà pré-incrustables, où t'as une couche alpha, une couche de transparence, et du coup t'as juste à rajouter au-dessus ton image. Ouais. Après, j'ai juste changé les modes de fusion pour que ça s'intègre mieux. Ça c'est trop bien aussi, bon ça fait longtemps que maintenant ça existe, mais dans opacité, dans option d'effet, tu peux changer le mode de fusion de ton calque. Comme dans Photoshop, tu peux même anticiper en ayant genre une image du rush et préparer ton montage ou enfin préparer ton empilement. Je sais qu'on avait travaillé avec Stéphanie qui était étalonneur. Ouais. Il m'avait montré lui en fait sa manière de travailler sur l'étalo par exemple. Ça consistait à faire son étalo sur Photoshop. Okay. Préparer l'ensemble de ses calques, les petits réglages un peu subtils, ouais, etc. Il exporte une lutte et il réimporte la lutte en première. Et du coup, derrière, il peut faire le reste du montage sans se prendre la tête. Il ne fait plus que de la finition derrière. Tu vois, il a vraiment l'ambiance générale du clip qui a été montée dans Photoshop. Ouais, pour être sur des environnements que tu maîtrises à fond et après tu... ouais, c'est pratique. Et là, tous les titres qui apparaissent, donc c'est toute la piste au-dessus de tes... Parce que juste avant, Franck m'a appris un truc que je ne connaissais pas dans première. Et du coup, je me dis, merde, clairement là c'est ridicule. Mais non, mais en gros, ouais, depuis qu'existe l'objet graphique là, où tu peux préparer des animations de texte, ou tout ce que tu veux dans After Effects, et te laisser quelques variables disponibles dans Premiere pour pouvoir les modifier. Et du coup, c'est ce que je me suis fait. Je me suis fait des titres préfaits. Ou bah du coup si je vais dans ma fenêtre objet graphique essentiel, je peux changer le titre ici et puis je garde l'animation un peu stylée avec le motion blur et tout de After
qui n'est pas encore présent dans Premiere, on en parlait avant aussi. C'est ça. Mais alors, qui n'est pas encore présent dans Premiere, le motion blur, mais donc toute cette manière en fait d'organiser les titres en ayant juste deux lignes à changer dedans, c'est un ouais, c'est ce qu'on appelle les objets graphiques essentiels en français, et ça sauve la vie de plein de Bah ouais, c'est tellement parce qu'avant il fallait repasser sur After à chaque fois, créer une nouvelle séquence dans After, enfin la dupliquer pour pouvoir changer le titre, alors que là t'as juste un titre que tu dupliques à l'infini et puis tu changes à chaque fois ce qu'il y a dedans. C'est exactement le système que tu nous as montré, où tu avais fait d'abord ton premier quelques textes, et là tu auras ton premier réglage After que tu vas redéplacer par la suite, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Et puis ensuite tu m'as montré qu'en fait on pouvait à l'intérieur de... Parce que là ce que je faisais, c'est que du coup je les dupliquais pour les faire durer plus longtemps, et puis le dernier je le mettais en vitesse négative pour qu'il puisse se replier, tu vois, pour que ça fasse mon effet fade out, tout franche, tu vois. Et ouais, tu m'as montré qu'en fait, à l'intérieur de... Bah vas-y, je te laisse expliquer si tu veux. Ah non, vas-y. Vas-y, comme ça te fait pratiquer. J'ai bien intégré la leçon. Non, mais en gros, avec l'outil texte, tu peux te faire des animations, et je savais pas que dans options d'effets, en gros, tout en haut ici, t'as des petites poignées. Ouais, on les voit pas très bien, elles sont toutes petites, mais là par contre, on voit bien la bande grise, claire. Ouais. Et du coup, si tu fais juste genre une opacité ou un mouvement dedans, on va carrément le voir. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, si je veux faire une arrivée de mon texte depuis là-bas, on s'en fout. Ouais, on va se faire un truc quand même stylé. Vas-y, c'est pas grave. Hop, une petite arrivée de texte comme ça, avec un petit fade en opacité aussi. En fait, ce que tu configures tes poignées ici, c'est l'intro et l'outro de ton texte, donc l'entrée et la sortie. Donc et toi, tu gères du timing sur ça. Tu te débrouilles pour que ce soit élégant, rapide. Ouais, voilà. Et après, tu peux faire aussi ta sortie. Donc, on va faire partir le texte. On va faire partir loin. Oula, je le fais quand même aller très loin. Il va aller très vite. Est-ce qu'il y a un petit fade sympa? Ok. Avec une petite opacité. Bon, ouais. Remarque, il sort du champ. Ah, mais il sort pas vraiment. Non, il sort pas. Bon, une petite opacité, c'est bien aussi. Elle coûte pas beaucoup plus cher. Non. Allez, hop, zéro. Et ce qui est ouf. Bon, on dit que tu viens de mettre ton texte, donc t'es super content de l'endroit où tu l'as mis, et il dure pas très longtemps, ou ta voix dure pas très longtemps. Merde, c'est pas très long, c'est chiant. Et ben en fait, grâce à ces trucs, ça devient de figer en fait tes points clés à l'entrée et à la sortie, et du coup tu peux les tendre comme tu veux, et il va te conserver. Du coup, ouais, si t'as un texte un peu plus long qui dure tout ce temps-là et que t'as juste besoin, tu peux même d'ailleurs le faire flottant, c'est-à-dire que ce que t'as au milieu là pour l'instant c'est fixe, mais tu peux tout à fait imaginer avoir encore un léger mouvement. Il va vraiment faire du responsive au milieu. Ah sérieux ? Ouais. Donc on pourrait se faire un scale, c'est-à-dire que le truc gonfle. Je pense, ouais. Je veux pas dire de conneries, mais je pense. Ça m'arrive de dire des conneries. Là, on met à 90. Et est-ce que si je fais ça... Ouais, t'as raison. Donc il gonfle. Ouais. Et après, il repart. C'est quand même cool, non ? C'est trop bien. Voilà. Et alors, ce que je te disais tout à l'heure... Fou, mais du coup, mes prochains montages, je vais les faire comme ça. Parce que je me fais chier à dupliquer 1000 fois mes trucs. C'est vrai, parce que tout à l'heure, quand on en parlait, je te disais justement que les équipes vidéo d'Adobe étaient présentes sur un gros salon qui s'appelle IBC à Amsterdam il y a un peu moins d'un mois. Ouais. Et ils ont montré justement que non seulement ce truc-là que tu peux faire en direct et en live dans Premiere, il y a une partie des effets que tu pouvais faire dans After Effects, justement le fait de verrouiller un texte, etc. Ouais. Mais on ne pouvait pas encore faire le responsive time, donc le temps la durée qui se fige. Et là, on va pouvoir le faire. En plus, on pourra même figer des zones au milieu du temps. Donc, genre, tu dis, oui, bah, tiens, à tel endroit, tu pourrais imaginer, par exemple, avoir directeur de photographie, monsieur machin, et puis tu veux le mettre en anglais, donc tu fais switcher ton texte, et ben, tu pourras imaginer qu'au milieu, la transition, elle est présente aussi. Et du coup, tu n'as qu'un seul élément de texte à gérer dedans. Donc tout ça, il faut rester... Ah ouais, non, mais tu fais du texte, il tourne. Tester un truc. Ouais, t'as raison, donc les points clés se... Ouais, les points clés, ils restent responsives. Donc si tu agrandis, bah, c'est plus lent. C'est ça. C'est trop bien. Mais ça marche que si tu as commencé à toucher au... Ou c'est que sur le truc texte ? Ou ça existe sur des calques lambda ? C'est une super bonne question. Voyons voir. Ouais. Moi, je suis pour l'expérimentation. Je l'ai pas en tête, là. Petit calque d'effet. Calque d'étalot.
Ah non, c'est que sur les textes. Il n'y a pas de petits poignets. Ouais, c'est que sur les objets graphiques. Ok. Ouais. Et oui, bon, bah tant pis pour les petits poignets. Ah, c'est bon, ça va. Trop bien. Merci Franck pour ce conseil. Mais de rien, je suis venu en prendre plein d'autres au passage sur ta manière de gérer tes timelines, sur ta manière de gérer ton scénario. Quand tu fais de l'étalo sur Premiere, tu fonctionnes comment toi ? Bah pareil, je fonctionne plus comme dans mes tutos puisqu'il y a le puisqu'il y a le l'option lumétrie. Mm-hmm. Et du coup en gros bah ouais, comme je t'ai montré, je suis prendre un calque d'effet que j'ai nommé étalo, je le mets sur au-dessus de tout, bah là surtout que c'est toujours la même config quoi. Ouais. Ouais, tu prends pas la tête, t'as une caméra fixe, tu danses devant pendant 3h30. Ah oui, c'est ça, il y a pas de changement de lumière, il y a pas de changement de décor, il y a rien. Et du coup, je vais juste dans l'onglet couleur lumétrie et puis je bidouille là-dedans. Mm-hmm. Donc bah, je vais remettre de la satu parce que je bosse en log, donc je viens resaturer. Et après, j'utilise aussi le domaine lumétrie, donc qui me permet de voir les parades RVB. Mm-hmm. RVB. RVB, rouge, vert, bleu. Ah, mais dis donc, tu c'est vois, de là rouge, que vient vert, le nom bleu. De la chaîne. C'est du co-branding. Et comme en fait, le fond noir n'est pas vraiment noir, si, je ne sais pas si vous avez un écran qui vous montre bien vos basses lumières, mais on voit le borgnole, on voit le rideau noir. Mm-hmm. Et du coup, bah, il faut que je vienne l'écraser avec mes courbes. Et du coup, bah, je prends les noirs là. Et du coup, ça me permet de voir, parce que suivant tes écrans, tu ne vois pas vraiment si tes noirs sont noirs. Ouais. Et du coup, je viens vraiment écraser pour qu'il n'y ait plus rien. Mm-hmm. Et après, bah, je réexpose un peu. Tu vas réexposer pour ne pas perdre de détails non plus dans la peau, dans les t-shirts, dans etc. Lumière. Et voilà, après je c'est à peu près tout en vrai ce que je fais sur rouge vert bleu, et je me rajoute un petit peu de netteté. Mmh. Genre 15 de netteté, parce que je me suis rendu compte que les en fait c'est à partir du moment où j'ai commencé à enregistrer avec ma caméra sur un enregistreur externe. Mmh. En ProRes direct. Ouais, ouais. Pas en compressé avec CHD, HD6K, tout ce que tu veux, mais en ProRes bien bien lourd et bien défini, et je me suis rendu compte waouh, en fait ma caméra elle montre tellement de détails que je vois pas d'habitude à cause de la compression vidéo, et du coup j'étais frustré. Alors du coup je me suis dit, tiens, je vais rajouter de la netteté, j'ai rajouté du flou d'abord pour qu'on voit pas tous ces détails dans mes images pour retrouver du coup des détails que la compression gomme quoi. Bon voilà. Et puis de toute façon, ça va être recompressé derrière, donc je me dis autant ouais, surtout que derrière tu auras les algorithmes de YouTube qui vont pourrir tout. Bah oui. Et voilà, après je m'amuse ici dans les roues chromatiques peut-être à venir tâter un peu en froid les basses lumières, mais tu vois direct que t'es noir, ils remontent, du coup t'es noir, ils sont plus noirs, ils sont bleus. Alors, c'est chiant, du coup on pourrait le faire en deux étapes, on pourrait mettre deux couleurs lumétrie ou deux calques. Mm-hmm. Pour en fait venir teinter avant. Ouais. Tu vois, je pourrais faire ça, voilà. C'est pas mal là, oui, c'est très C'est-à-dire bien. C'est-à-dire que je pourrais. T'occuper alors, que des tons sombres. Bah, en gros, on va dire que là c'est le contraste. Mm-hmm. Et là c'est la couleur. Et du coup, j'ai déjà fait ça, mais je le fais pas, c'est chiant, c'est long. Mais je pourrais d'abord gérer la couleur. Mm-hmm. Et du coup, venir me mettre les basses lumières dans les bleus. Et puis contrebalancer un peu dans les oranges. Mm-hmm. Pour la peau. Et ensuite seulement appliquer ma courbe pour venir vraiment écraser et pas avoir du noir. Le noir qui est bleu quoi. Ouais, c'est ça, et ça te permet vraiment de rattraper tout ça. Non, alors Stéphane, je vois une question de Simon qui demande la masterclass où l'étalo pouvait se faire en passant par Photoshop, et est-ce que je peux partager le lien? Non, il n'y a pas de... J'ai jamais reçu Steve ici. On a juste discuté sur un gros salon de vidéo, il m'avait montré sa méthode, j'avais adoré, et j'ai dû faire des masterclass étalonnage sur Premiere Pro à l'intérieur de la chaîne YouTube, mais cherchez pas une masterclass avec Steve, il n'y en a pas encore eu. Ça viendra. Mince. Mais oui, non, mais c'est toujours un peu compliqué. Bon, bref, mais je fais plus ça. Je fais plus ça, c'est fini. Non, mais je... J'arrête d'abuser avec les tons bleus dans les basses lumières, même si je peux en mettre un peu. Je n'ai même pas rien si je l'ai fait sur celle-là. Ah, si, un petit peu, tu vois. Je mens. Tu mens, mais c'est pas bien. Tout ce que je dis est mensonge. Ouais, mais j'ai réussi à bien le gérer, parce que les noirs sont quand même collés. Alors, ouais, si je vois que Stéphane, t'as trouvé le lien, effectivement, de la session dans laquelle je fais ce contenu. Donc, c'est tutoriel étalonnage Premiere Pro CC de Photoshop Allumetterie. Et ça a un an et demi. Bon anniversaire, la vidéo. Où il y aura, du coup, pas mal de détails sur tout ça. En plus, j'avais révisé avant, ça devait être juste après le Satis et tout.
J'étais à peu près à bloc, tu vois. C'est, parce qu'il y a des moments où ça se perd. Ouais, c'est cool. C'est bien cool tout ça. Donc, ouais, est-ce que tu me disais, c'est que sur certaines des vidéos maintenant, t'envoies directement un étalo qui fait ça tout seul chez lui, comme un grand. Étalonnaire, tu veux dire ? Ouais. Ouais, et du coup, j'exporte. Bah, du coup, j'enlève mes étalos si j'en avais mis. Et puis, j'exporte tout en séquence soit DPX, soit TIFF. Ouais. Comme ça, on est sûr d'avoir zéro compression. Donc, c'est une séquence d'images et l'étalonneur, il le récupère derrière. D'accord. Alors, ça, ça serait un truc peut-être pas mal, tu vois, à suggérer à Adobe. C'est que, en gros, une fois que t'as ta séquence TIFF, le problème, c'est que ça te fait plus qu'un un bloc, un rush. Ouais. Donc, t'as plus les coupes. Alors, peut-être que tu vas me trouver une solution qui existe que je connais pas. Mais en gros, du coup, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai ma séquence TIFF, eh ben, je la remets par-dessus mon montage et je viens avec flèche haut, flèche bas. Imaginons que ça, c'est ma séquence TIFF, là, l'étalo, que je viens remettre au-dessus. Et du coup, avec flèche haut, flèche bas... Tu vas recouper dedans. Ouais, je me fais des sessions avec CTRL-K, tu vois. Et alors, je sélectionne CTRL-K, après je fais... Et je viens tout recouper. Comme ça, il a quand même les plans séparés et je lui exporte ça en XML. Et du coup, il a la séquence de montage, même si c'est des TIFF. Ouais, je vois tout à fait le genre de truc. Ouais, je vois carrément. Et le truc, c'est que première, ce script, mais c'est du script de bas niveau, c'est pas simple. Ah. Simple. C'est pas des petites actions comme dans Photoshop ou des expressions. Ah, tu peux automatiser. Tu peux automatiser des trucs, mais faut rentrer dans l'idée de fabriquer des bouts de tutoriel pour première. Donc c'est pas. Ouais. Mais si ça se trouve, ça veut dire que ça existe peut-être déjà. Il y a peut-être déjà des mecs qui se sont dit que c'était un peu relou. Ouais. Bah, sûrement. Ça serait bien, ou alors c'est juste que j'utilise une méthode qui est pas conventionnelle. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire et je connais pas, un peu comme le genre de le gestionnaire de projet là qui est nouveau et tu peux consolider, transcoder, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Ouais, parce que tu vas pas. Je pense pas que t'aies d'options justement pour redécouper la timeline. Faudrait regarder dans chaque petite référence. Tu dois l'envoyer vers. Je sais même plus c'est quoi l'outil d'étalo maintenant. Ça existe toujours ? SpeedGrade ? Oui, SpeedGrade. Écoute, tu peux toujours l'installer. D'accord. Tu peux toujours l'installer, mais à jour. Non, en fait, le truc, c'est que à l'intérieur de Speed, ils ont pris toutes les technos de SpeedGrade. Ils sont rendus compte qu'ils étaient très bien. Ils ont récupéré tout dans Premiere, dans Lumetri directement. Ouais. Ce qui était pas con du tout. Bah ça marche plutôt pas mal. Et ce qu'ils ont fait en parallèle, mais qu'on voit pas parce que c'est sous le capot, quoi. Mais c'est que le format de Premiere et les formats d'audition et les formats d'after sont compatibles, et du coup tu vas être capable d'ouvrir des morceaux de l'un dans l'autre, et ça simplifie beaucoup beaucoup les choses. Bah oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est il est peut-être prévu pour envoyer vers SpeedGrain mais pas ailleurs. Enfin voilà, on s'en sort carrément. On trouve toujours des bidouilles. Et on trouve toujours des petites formules comme ça à la fin, on s'en sort toujours. J'adore que mes plans se déroulent sans accro. Et donc ouais, on a vu ton pré-montage, on a vu comment tu préparais un petit peu tout ça, on a vu un peu tes techniques d'étalo, la manière dont t'allais mettre les contenus en place. Ouais. Qu'est-ce que là t'as de la fiction dessus sur cet ordi-là ou pas ? Enfin sur ce disque dur ou pas ? Je sais plus ce que tu m'as dit, non. Malheureusement non. Oh. Tout à l'heure en plus j'avais des rushs qui étaient pas connectés et tout. Donc, Ouais, ça c'est. Non, mais il n'y a pas grand chose de plus, à part qu'en fiction, généralement, je suis dans des séquences qui sont en scope, donc du coup, je me fais directement mes séquences en scope. J'ai des vraies dimensions scope, tu vois, c'est du 2.35. Bon, même si là, il me dit du 47, puisqu'en vrai, si on fait un petit calcul. 40 divisé par 17, ça se fait. Ouais, ça fait 817,02, donc en fait il te dira. Il propose plus de chiffres impairs, tu peux plus faire des trucs chiffres impairs. C'est pour respecter les trames. À l'export. D'accord. Sérieux ? Non, je sais pas. Ouais, avant, enfin, Premiere proposait, tu pouvais sortir des fichiers. Enfin, peut-être que c'est de nouveau là-dedans. Donc avant j'étais à 817, maintenant je fais 816 parce qu'il m'autorise plus à faire des exports avec des. Ouais. Et du coup, voilà, ça me fait des séquences en scope et après tu peux toujours faire un export soit dans ces dimensions là soit en 16/9, et du coup tu auras des bandes noires. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant YouTube, t'as vu, même le player quand t'as joué jeu de société, et même le player était en scope, donc c'est pas mal. J'ai un seul pote qui a un écran scope et qui me dit merci. Pour une fois, j'ai des vidéos internet qui sont pour lui. Voilà, c'est ça. Alors il doit trop pleurer quand il voit les vidéos type Monkey, Brut et autres qui sont en format carré. Bah oui, je pense, il a des bandes noires énormes sur les côtés. Ou alors il peut en regarder deux en parallèle, en x2.
Mais le seul problème, c'est que YouTube te permet pas sur les vidéoscopes de comment de mettre les boutons, les cartons de fin. Il le fait que sur les vidéos saisonnelles. Donc, du coup, t'es un peu. Tu gagnes sur certains points. Et pas ouais, sur on voit, c'est une mauvaise stratégie. Si tu veux te la jouer à YouTube, c'est une mauvaise stratégie d'exporter en scope. Mais bon, nous on le fait quand même, parce qu'on est des rebelles. Et alors, les rebelles en question, quand ils font leur export, ils exportent. Uniquement le, enfin, t'exportes ton fichier c'est sur le disque ou tu fais les exports directs vers Facebook, YouTube et tout pendant la nuit. Dans l'onglet publié de Media Encoder. Je l'ai déjà fait, mais plus pour envoyer sur des FTP quand je partais de chez moi. Mais généralement maintenant les rendus sont, enfin tout dépend de la longueur de la vidéo. Mais, ouais, mais non, de toute façon je vais la vérifier avant. J'ai toujours un flip de me dire s'il y a un bug à l'export. S'il y a un truc. Bon, en vrai, j'en ai jamais eu. Enfin, si, des fois, t'as des morceaux de rush qui sont médias offline. Alors qu'il était là. Et tu l'avais pas vu. Non, ouais, c'est une vidéo que j'ai jamais faite sur l'export qu'il faudrait que je fasse parce qu'il y a souvent des commentaires qui me disent mais comment t'exportes, etc. Mais non, généralement, surtout comme moi je suis sur Windows. J'exporte en H.264, je me fais pas vraiment de fichier master, c'est peut-être une connerie, mais tu sais, un fichier master bien lourd en ProRes ou en DNxHD. Finalement, pour Windows, ça serait de le faire en DNx, quoi, ici. Mais au moins, ça te fait des bons gros fichiers pas trop compressés. Mais de toute façon, pour le web, c'est débile de faire ça. Donc, je viens juste prendre H.264 et puis choisir ici YouTube 1080p. Et puis, si jamais je veux conserver le scope. Tu peux cocher ici pour correspondance des sources, quoi. Du coup, voilà, il t'exporte en scope. Il va te conserver le truc. Ouais. Il t'encode pas des bandes noires. Je vérifie toujours dans l'audio qu'il est bien au max en 320, mais c'est le cas maintenant, donc c'est cool. Et puis, voilà, file de temps, tout exporté. Carrément. Et c'est tout bon. Et du coup, quand tu fais tes exports, toi, vu que t'as qu'une seule destination, YouTube, c'est déjà arrivé qu'on ait dû faire des DCP et tout, et c'est cool, c'est qu'il y a un outil directement pour en faire. Alors si tu veux faire de la 4K, il faut payer je crois une option en plus. Mais tu peux direct faire tu vois, un DCP en scope 25 images et on l'a testé et tout en salle, il y a pas de souci. Ouais, parce qu'il y avait eu une des vidéos, un des films qui avait été diffusé en salle directement. Plusieurs, ouais, on a fait jeux de société, on a fait boucherie éthique. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, je crois que c'est tout. On a fait deux, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, je trouve. Pour là. Et du coup, ouais, il faut faire des exports DCP. Et alors, ouais, la 4K, elle est pas inclue dedans. Mais soit t'as des logiciels, soit tu payes en plus pour avoir pour déverrouiller Raptor DCP, là, qui est un truc externe en fait à Adobe. Ou soit tu t'as Open DCP, ou alors je sais plus c'est lequel. Et t'en as plusieurs gratos. Non, bah, je les ai plus. Je les ai plus parce que finalement, oui, parce c'est que tellement ça, pratique tu de rester dans fois. Adobe. Oui, tu fais une fois, mais bah, tu l'utilises plus jamais. C'est le genre d'export. Tu le fais une fois tous les 8 mois à chaque nouvelle vidéo. C'est trop pratique d'avoir ça directement. Surtout que tu te rends compte que tu as des boîtes qui sont spécialisées à l'époque dans l'export en DCP qui t'ont payé ça une fortune. Bien sûr. Alors qu'en fait, c'était juste de cliquer là et de faire ça, tu vois. C'est ça, c'était la question d'investissement matériel et puis peut-être d'avoir un mec qui regarde quand même ce qu'il t'exporte, minimum. Ouais. Je suppose qu'il y avait au moins. Mais c'est fou, pour moi, c'est de l'escroquerie de ouf, quoi. Mais bon. Bah, peut-être à l'époque, c'était pas. L'économie du service. Ouais, l'économie du. C'est vraiment. Là, je comprends que t'aies pas envie d'expliquer comment ça marche. Parce que sinon. Ouais, sinon, tu. Tout le monde, plus personne fait appel à toi, puisque en fait, c'est hyper simple. Donc là, je peux comprendre que y a certains secrets qui doivent être gardés parce que j'ai plus de boulot après. Ouais, alors après, moi, je mettrais plutôt ça sous le côté. Enfin, je suppose que ces boîtes-là font pas juste le clic machin et que tu vas avoir l'accueil, tu vas avoir la gestion du projet, le vérifier tes sources, pas te renvoyer bouler en disant bah non, c'était de la merde, alors désolé. Bah, j'espère. J'espère qu'il y a un petit SAV derrière. Tu sais, ça fait une espèce de sécurité sur la sortie du film. Il y a un contrôle là-dessus. Ouais, ça rassure peut-être. Et ouais, tu voulais peut-être qu'on parle du live. Enfin, je sais pas Alors, si t'avais d'autres trucs que tu voulais voir. Ou... Non, c'est parti, vas-y. Le live. Qu'est-ce qu'on s'était dit sur le live? Sur le post, tout ce que t'avais mis en place Ouais, bah, j'ai déjà fait un tuto
sur le direct, mais il y a des trucs, enfin, il y a déjà tellement de choses dedans que j'ai pas poussé certains points plus loin. Mm-hmm. Mais bon, après, si on doit rester sur les produits Adobe, c'est Audition, tu sais qu'on a utilisé, maintenant on l'utilise plus, mais ça a été super pratique de se dire, ah putain, dans la suite Adobe, t'as Audition qui te permet de faire entrer du son, de faire du mixage en direct, en fait. Mm-hmm. Ouais, ouais. Donc ça, c'est bien cool. Et ouais, non, comme on disait aussi, le fait de pouvoir OBS, comme je montre dans ma vidéo, en fait, qui est le logiciel pour mélanger les caméras, le son, etc., te permet d'étalonner tes caméras comme tu veux en utilisant des luttes. Alors, c'est pas vraiment des luttes, il utilise des. Il utilise directement l'image de la table de correspondance. Ouais, il utilise. Bah, attends, je vais essayer de chercher, mais même pas tout de suite sur l'écran. Non, non, t'inquiète. tu peux garder tes secrets pendant ce temps-là. Non, mais c'est juste que c'est. Je sais pas ce qui va m'afficher. Voilà, c'est bon. C'est ma séquence test un peu. Vas-y. Mais bon, on va mettre source de couleur, on s'en fout. Ok. Mais en gros, ouais, tu peux appliquer. Donc là, t'es dans OBS. Ouais, dans OBS, qui est un logiciel open source et gratuit. Et tu peux appliquer justement des luttes, et dedans, qui ne sont pas des fichiers .cube, .look, que tu peux générer avec Premiere en allant dans ton Lumetrie. Couleur Lumetrie, et je ne sais plus où c'est, mais ouais, c'est peut-être là. Ouais, voilà, exportation du fichier look ou cube, voilà, qui sont les formats... Qui sont les formats standards, ouais, sur un... Lui, il ne te demande pas ça, lui, il te demande un PNG. Tu vois, il n'y a que PNG. Et en fait, tu as l'original, qui est ce truc-là que tu peux venir mettre dans Premiere. Bon, en vrai, il ne faudrait pas le mettre comme ça. Faire apparaître dans le projet, il faut créer une nouvelle séquence à sa taille. Et en gros, bah, tu te charges... Tu étalonnes cet élément-là uniquement. Quoi. Ouais, tu te charges, tu vois, par exemple, bah, là, on va dire que ça, c'est mon étalo. Bah, je le prends et je le colle au-dessus de l'origine de ça. Puis après, j'ai juste à exporter une image PNG. Enfin, ça, je le montre dans mon tuto, quoi. Ouais, ouais. Mais ça, c'est... Enfin, c'est comme tu disais, quoi, le mec qui fait son étalon dans Photoshop et après qui le met, bah, au final, c'est ce que je fais avec Premiere et OBS. Ouais, t'as le même rapport, donc, sur de la vidéo qui est diffusée en stream, en direct, et sur la... Ouais, bah, c'était l'objectif à partir du moment... en fait, on aide aussi une chaîne qui s'appelle Thinkerview, où on fait des interviews en direct et on voulait se mettre à faire en direct parce que... en fait, c'est le principe des interviews qui sont sur Thinkerview, c'est qu'il n'y a pas de montage, pas de coupure. Donc du coup, on s'est dit, bah, il faut le prouver, faisons du direct. Donc le problème, c'est que je ne voulais pas qu'on fasse du direct, que ce soit moins bien que tu faisais en interview. Ouais. Ouais. Donc du coup, on a creusé à fond dans tous les sens pour arriver à trouver les méthodes pour que ce soit le plus clean possible et qu'on ne sente même pas la différence, que ce soit fait en direct ou pas. Carrément. Donc ouais, le fait de pouvoir appliquer une lutte qu'on a générée dans Premiere, c'est trop bien. Et après, ouais, le truc aussi qu'on a découvert, les dernières découvertes par rapport à ça, par exemple sur, bah, tu vois, sur le JTR ou même sur le poste, on a des jingles d'intro, de sortie, des synthés, des titres, etc. Donc ça, forcément, il faut les générer à l'avance pour les préparer. Et du coup, on utilise une couche de transparence pour pouvoir mettre notre jingle d'intro ou notre synthé... Bon, tu vois, par exemple, là, il y a un logo, mais ça, c'est juste un PNG avec... Ouais, ça, c'est facile. Mais, alors, mais là, du coup, ouais, les petites séquences, les petits brillants, c'est quoi? C'est du flash? C'est du... Ça, c'est des trucs tout préfets animés qu'on a rajoutés sur la vidéo. Mais c'est plus là, tu vois, la transition qui va avoir lieu en étoile. Tu vois, il y a de la transparence, puisque ça arrive sur une caméra en live. Donc, bah, ça, on exportait dans Premiere en QuickTime animation avec couche alpha. D'accord. Sauf que pour le JTR, on avait tellement des magnétos gros, tu vois, genre de 5 minutes, avec juste... On les a sortis en QuickTime animation alpha parce que l'intro et l'outro, tu vois, devaient avoir des transitions pour que ça soit bien fluide. Et en fait, on s'est retrouvé avec des vidéos de 80 gigas, des trucs comme ça. Et en fait, on commence à lancer, alors qu'on était une demi-heure avant de commencer le direct, on commence à tester dans OBS et l'ordi... Ah bah, l'ordi, il lag et tout, alors qu'on a un bon PC, tu vois, mais il commence à laguer. Et du coup, on a été chercher vite faire un SSD pour tout mettre dessus, pour que ce soit plus rapide. Et au final, on a trouvé que... On était cons aussi, il suffisait d'aller voir dans OBS. Et t'as, quand tu fais source média, ils te disent ce qu'il peut manger comme format. Ouais. En fait, on s'est dit, il faut qu'on trouve un format plus léger que le QuickTime Animation et qui prend en compte l'alpha. Malheureusement, le H264 prend pas la couche alpha. Et du coup, on a regardé là-dedans,
et on a vu WebM. Et ouais, je me suis dit, ah mais attends, WebM c'est le format du web, libre et tout. Forcément, ils ont pensé à mettre une couche alpha. Et ben oui. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait maintenant. Qu'on va faire pour cette deuxième session. Alors j'espère que ça va. Ça tombe, je donne des faux conseils, puisqu'on a vraiment pas. T'as pas encore. Tu l'as testé une fois en live. Jamais dans une émission live. D'accord. Mais on l'a testé avant nous-mêmes, tu vois là. Mais du coup, il faut juste installer un petit soft qui permet de pouvoir. Je sais plus, bon, tu tapes première WebM dans Google, tu devrais trouver. Ouais, mais coup, je me demande si c'est pas le truc de Fnordware qu'il avait. Ouais, c'est ça, Fnordware. En fait, c'est un mec que je suivais depuis longtemps. Parce qu'il est, à l'époque, il avait le premier exporteur en OGG. Ok. Ouais, tout ce qui était libre, Verbis, okay. Tout ce qui était. Voilà, tous les formats ouverts. Et il y avait régulièrement des questions sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Le mec continue de le maintenir, ce qui est assez ouf. Ok. Parce que c'est vrai que le Agio 6.4 a quand même bien pris le, pris le dessus. Bah, t'as quand même YouTube et tout, hein, je crois qu'il te propose. De gérer du Verbis. T'encodes tout en 10 000 formats et je crois que t'as le WebM aussi. Ouais. Et ouais, c'est trop bien, donc directement installé ça, on a regardé, et oui, t'as un petit bouton inclure la couche alpha. Ouais, et donc c'est trop bien. Ça simplifie quand même beaucoup les choses. Ouais. Et c'est limite du H.264 avec couche alpha en fait. Alors il y a TMPX, il dit moi j'aime beaucoup le H.265, fichier moins lourd, qu'en pensez-vous? Ouais, non, moi j'ai juste fait une fois un export en H.265 mais pour exporter de la 4K, mais est-ce que le H.265 prend en couche l'alpha? Je crois pas en fait. C'est trop con de faire des formats. En même temps, c'est des formats de diffusion. Le H.264 et H.265 sont faits pour la diffusion. Quoi. Ils sont pas faits pour le montage, le web. Parce que tu sais que tu vas déjà avoir une compression dessus. Donc, Alors que le WebM, vu que ça a été créé pour le web, tu peux te dire bah ouais, ça peut être intéressant d'avoir des vidéos avec Alpha pour faire apparaître des choses derrière, etc. Enfin, pour des pages web vraiment. Mais. Ouais, non, je fais pas. Mais oui, H.265, trop bien. Ouais. Pour exporter des trucs en fait avec le même poids, moi je verrais plus le truc en mode putain, je peux avoir le même poids et une meilleure qualité, donc c'est trop bien. Plutôt que de se dire ah, je peux avoir encore moins de. Plus léger, ouais. Si t'as pas toi la contrainte de la diffusion derrière, c'est pas. Ouais. Voilà. Mais je sais pas si c'est déjà incorporé dans les players comme YouTube et tout, l'âge de 6.15. Il y a non seulement cette question là, mais aussi de savoir si les puces à l'intérieur des smartphones, des tablettes ou autres sont capables de le décoder. Parce que c'était quand même le gros intérêt du H.264 pendant les 10 dernières années. Et j'ai jamais testé dans OBS le H.265, voir si ça marche. Mais vu qu'on veut des trucs avec couche alpha. C'est ça, de toute façon, ça résout pas ton problème. Ouais, non. Enfin, après, c'est un cas particulier. Hein. Ouais, non, mais c'est certes un cas particulier, mais quand même, ça fait partie de l'identité de tes vidéos, et du coup, tu as creusé la partie technique là-dedans, quand même, un minimum. Tu vois, ils proposent même de faire du 4x4x4. C'est jamais. En WebM. C'est intéressant. C'est ouf. Enfin, bref, comme quoi les formats libres, c'est ça qui m'impressionne, c'est aussi de voir des logiciels comme ça. Carrément. Bon, bah écoute, où est-ce qu'on en est? On était pas mal. Un peu d'étalot, un peu de montage, un peu de pré-montage, un peu de live. De l'export. Un peu d'export. Moi, on a fait un bon tour quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, bah, écoute, on a même vu un peu de mixage rapidement. C'est ça. Et de toute façon, voilà des liens sur la chaîne Rouge Vert Bleu sur laquelle il y a déjà tout un tas de contenu. Même si, comme tu le disais, il y a des trucs que tu aimerais bien réactualiser. Bah ouais, mais c'est chiant. Du coup, je me dis, est-ce qu'il faut que je les refasse de zéro puisque j'aime plus les premières? Alors, c'est con. Ou est-ce que je fais un update, tu vois, je fais juste une petite vidéo pour redonner les petits conseils qui manquent sur la première, je sais pas. De toute façon, c'est pas prévu encore de les refaire, mais un jour peut-être. Ouais, quand t'auras envie de te remettre à fond sur la partie juste formation. Ouais, que je prendrai le temps de le faire, parce que finalement ça prend du temps. Ouais, c'est clair. Non, puis après, ça peut être justement des petits ajouts. Tu dis, bah tiens, en fait, j'ai rajouté ça, j'ai vu ce truc-là, comment le gérer, comment l'intégrer au contenu. Alors, si vous avez encore des questions, c'est le moment. On est toujours là, mais plus pour longtemps. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder, toi? Bah, pas en particulier, c'est pour ça, moi, j'espérais que tu m'as guidé. Que je te drive, bien, on est bien. Non, mais que tu me dises qu'est-ce que toi... Écoute, non, moi, je pense qu'on est plutôt pas mal sur les... Ça, c'est sur les retours d'expérience. Hein, je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent beaucoup mieux le logiciel que moi. Et des fois, c'est impressionnant de me te dire, putain... Que quelqu'un te montre quelque chose et tu fais ah mais ok, mais moi je me galère depuis tellement longtemps à faire autrement, alors en fait t'appuies sur un bouton, ça le fait tout seul. C'est
C'est ça, mais ça, ça a pris des années à avoir ce bouton-là. Ouais, sûrement, mais du coup, en effet, il faudrait que je regarde peut-être plus les vidéos que tu me disais, là, c'est quoi, où ils annoncent les nouveautés. Les vidéos d'IBC, justement, où il y a vraiment tout ce contenu-là qui est... Je les regarde pas assez. Qui est diffusé, mais alors tu regarderas le replay de ça, parce que Stéphane Baril, qui nous fait la modération aujourd'hui, merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane, il a posté le lien, et comme maintenant, dans YouTube, il y a les commentaires sur le direct qui reviennent. Ah oui, tu voulais les activer. Voilà. Parfait. Ouais, ouais, on les laisse activer parce qu'on est entre gens de bonne compagnie. Okay. C'est ça. Ok, et eh bien écoute, merci beaucoup. C'était avec grand plaisir que je t'ai reçu sur cette session. Tiens, on va terminer dans la salle du jeu. Un peu rose couleur première. Et TMPX nous dit pourquoi ou pas un étalot plutôt chaud pour jeu de société. Pourquoi ou pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi un étalot plutôt chaud pour jeu de société ? Mais on l'a bien réfléchi, mais quand tu commences le film, c'est plutôt chaud en effet quand ils sont on a l'impression d'une chambre ou une bibliothèque, Bast et Roxane. Donc ouais, on voulait un truc plutôt chaud puisque là on allait dans un environnement, enfin ils sont tous les deux plus amoureux, intime, etc. Ouais, plus chaleureux, plus positif. Et quand on est dans la salle où ils jouent, en fait l'éclairage qu'ils ont sur eux est neutre et plutôt blanc, enfin pas bleu non plus, mais il est pas chaud. Par contre oui, en effet, les éclairages autour sont chauds. Et quand t'es avec la grand-mère, quand le personnage Nicolas est avec la grand-mère, là l'éclairage est plus chaud que dans la salle de jeu. Bon voilà, tu vois, on a joué des trucs comme ça, mais tu racontes des histoires en plus avec la couleur, en fait. Bah ouais, on essaye que tout participe à raconter l'histoire. Ouais. bien. Merci beaucoup pour le petit détail de la fin. Plaisir. Allez, ben merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Stéphane pour la modération. Merci aux uns et aux autres pour les questions et l'enthousiasme pendant tout le long de la session. Et puis on se retrouve très prochainement. Donc il va y avoir une petite pause là sur les sessions YouTube live parce que on arrive sur Adobe Max. Donc non seulement vous avez eu les annonces d'IBC il y a un mois, mais là Adobe Max, il y a toujours des trucs à regarder. Donc vous regarderez les lives en anglais, en direct, depuis les États-Unis, et puis on se retrouve d'ici 2 semaines. Allez, à très bientôt. Merci Guillaume. Salut, merci à toi Franck. Ciao.